العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il s'adresse aux fidèles, aux croyants. Si vous disposez pour la prière, vous vous présentez devant Allah subhanahu wa ta'ala pour vous préparer pour la prière justement. Lavez vos visages. Farsulu wujuhakum. Lavez votre visage. Après, il dit wa aydikum. Donc, il y a laver, le fait de laver le visage et le fait de laver les mains ou les bras. C'est quoi exactement la traduction qu'on doit donner ici? C'est ça la question de divergence. Donc, aucun musulman aujourd'hui, il va te dire l'ablution c'est de ici jusqu'au poignet. Personne ne va te dire ça. Tous les musulmans, de mes modestes connaissances, sont d'accord que c'est jusqu'au coude. Ça c'est clair et net. Il n'y a pas de divergence sur ce point. Mais le problème c'est que laver d'où de là on commence jusqu'au coude où on commence, on verse l'eau sur cette partie et on descend vers les doigts. Comment on va faire? Dans quelle direction ça se fait l'ablution? Comment ça se fait? Et Inch'Allah Ta'ala, peut-être dans notre prochain échange, on parlera de question de laver la tête et les pieds ou essuyer. Ça, on va voir, ou masser, ou faire passer les mains, etc. Ça, on verra, Inch'Allah, dans la prochaine fois, si Allah nous donne l'occasion. Donc, « Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila s-salah faghsilu wujuhakum. » Après, il dit « Wa aydikum ila al-marafiq. » Donc, il y a lavage de visage, lavage de notre main ou notre bras jusqu'au coude. Donc, c'est clair et net que ce n'est pas jusqu'aux épaules ni jusqu'aux poignets. Pourquoi il explique jusqu'au coude? Parce que tout simplement, dans la langue arabe, parfois on parle de la main, de yad, on dit yad, alors qu'on veut dire que cette partie. Ça veut dire jusqu'au poignet. Parfois on parle de yad alors qu'on veut expliquer jusqu'au coude. Et parfois, en parlant de yad, ça contient également jusqu'aux épaules, tout le bras. Donc, l'exemple qu'on peut donner ici, si quelqu'un il vient vers toi et te dit, s'il te plaît, aide-moi pour laver ces murs ou pour faire la peinture sur ces murs, mais jusqu'au là, il te montre, par exemple, 2 mètres de hauteur. Il te dit jusqu'aux 2 mètres de hauteur. Quand il te parle comme ça, toi, si tu commences par en bas ou par là-haut, ou par à droite ou par à gauche, par gauche, tu as effectué l'ordre de cette personne ou la demande de cette personne. Parce que cette personne, quand il a dit lave ou peindre, ou le fait de peindre ou de mettre la peinture, jusqu'au là, il ne voulait pas dire d'où commencer et où terminer. C'est pas, il n'a pas dit commence même et termine et là. Commence par ce point, tel point et termine par tel point. Absolument pas. Il a dit ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila s-salah faghsilu wujuhakum et également vos mains wa aydiyakum. Mais vos mains jusqu'où où? Quelle partie doit être lavée? Donc, il dit la partie qui doit être, ça doit contenir en fait les coudes, justement, et la marque.
Dans les codes de Al-Bayt, alayhi salam, le mot « Ela », ça signifie absolument pas le fait de commencer par les doigts et terminer vers le coude, absolument pas. Ça signifie que cette partie doit absolument être également lavée. Les fuqaha du shi'a, de chiite, les spécialistes dans le chiisme, ils se basent sur des hadiths de Ahlul Bayt alayhi salam. Un hadith de Imam al-Baqir, rapporté par al-Sheikh al-Kulaymi. Donc, jusqu'à là, ce qu'on voulait dire, que quand il parle de laver jusqu'au coude, on a compris que jusqu'au là, il doit être lavé. Mais l'ordre, ce n'est pas expliqué dans le verset. L'ordre, ce n'est absolument pas éclairci dans le verset. On ne sait pas commencer par là ou commencer par là. Donc, pour comprendre l'ordre, on va voir Imam al-Baqir, alayhi salam, il dit « Ala ahki lakum wudu'a Rasulillah » Nous, on croit à Imam al-Baqir, à l'authenticité de ce hadith. Et il n'y a pas que ce hadith, il y a énormément de hadiths sur ce verset, sur cette question de wudu. Même si vous voulez, le nombre de hadiths, ils ont été mentionnés dans cette recherche, en disant que... parce que, en fait, si vous voulez, les versets qui parlent de wudu, on n'a pas énormément de versets. On a ce verset. C'est de Surat Al-Ma'ida. Mais les hadiths, à peu près 500 et quelques hadiths, on a qui parlent de wudu. 500 et quelques. Ce n'est pas un seul hadith. Dans les sources chiites. Donc, je reviens vers le hadith que j'ai pris par exemple, comme exemple pour notre échange. Et là, Imam Baqir dit, vous voulez que je vous explique l'ablution de Rasulullah? Et ça, c'est le meilleur qui peut exister. Parce que nous, on veut finalement, que ce soit en tant que chiite ou en tant que quelqu'un qui suit autre école que le chiisme, nous, on veut faire l'ablution de Rasulullah. On ne veut pas faire l'ablution de mon père ou mon grand-père ou celui que j'aime ou le cheikh que je respecte. Aujourd'hui, un savant qui craigne Allah subhanahu wa ta'ala, il cherche à connaître l'ablution de Rasulullah. Et la façon de voir l'unicité de Dieu de Rasulullah, et la façon de prier de Rasulullah, etc., etc. Nous tous, on cherche cet aspect d'obéir à notre noble prophète. Donc l'imam al-Baqir dit, je vous explique la façon de Rasulullah. Faqulna bala, ils ont dit oui, ya, oh imam al-Baqir. Donc il a demandé de ramener un peu d'eau. Thumma wada'ahu bayna yaday, thumma hassara an dhira'ay. Donc il a éloigné un peu les vêtements qu'il avait, il s'est préparé pour l'ablution, et puis il a mis ses mains dans l'eau, il a lavé les mains, comme recommandation, comme vous le savez, après il a lavé le visage. Après il a dit, donc il a pris de l'eau, j'essaie de traduire mot à mot, et il a versé sur le front. Donc si aujourd'hui dans les questions de jurisprudence de Fokaha, on voit qu'il explique qu'il faut le verser là-haut et faire descendre de là-haut vers en bas, etc., il se base sur des hadiths, il ne se base pas sur leur compréhension personnelle. Un faqih n'a pas le droit d'inventer des règles s'il n'y a pas de source. Bismillah. وَسَدَلَهُ عَلَى أَطْرَافِ لَحْيَتِهِ Donc, سَدَلَهُ, ça veut dire il a fait verser comme ça l'eau. عَلَى أَطْرَافِ لَحْيَتِهِ Comme ça. لَحْيَتِهِ, c'est sa barbe. ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَى وَجِهِ Donc, il a fait passer la main sur son visage, de cette façon. Une fois. ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ الْيُسْرَى Donc, après, il a mis la main gauche dans l'eau. فغرفه, il a rempli l'eau. ثم وضعها على مرفقه اليمنى. Donc il l'a mis justement sur le coude. Et il l'a versé ici. ثم حصر عن ذراعيه, excuse-moi,
وظهر نعم ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه. D'une manière que l'eau il a été versée jusqu'au doigt, jusqu'à la fin de des mains et de la main et de doigt. ثم après justement il a pris avec la main droite exactement de la même façon على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه. Après, il s'est arrêté de toucher l'eau. وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي. Là, on parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Là, on parle de masaha, ça veut dire essuyer ou faire passer la main droite, clairement. Si vous me permettez, je traduis le hadith. Après, on aura l'occasion de poser la question, deuxième partie, Inch'Allah ta'ala. Donc, après, il dit masaha. مقدم رأسه, ça veut dire devant sa tête, ici, il a fait passer la main. وظهر قدميه, et les pieds, mais quelle partie des pieds? La haut de pied. Pas sous les pieds, non. Et وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه, ça veut dire avec le reste de l'eau qui était sur les mains. Pas remettre les mains dans l'eau. Pas retoucher l'eau, la partie de lavage de main au bras gauche, une fois terminé, ça y est, il ne touche plus l'eau et il passe directement à faire passer l'eau. Masah, excuse-moi, masah, ça veut dire faire passer la main sur la tête et sous les pieds, sur les pieds. Qala wa qala Abu Ja'far, Imam salamullah alayh, il rajoute. إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنان للذراعين. الإمام il insiste, il dit ça te suffit, il dit déjà Allah est un et aime les chiffres impairs. Maintenant ça c'est pourquoi Allah aime les chiffres impairs, ça c'est on verra pourquoi, et même dans les dhikr, la plupart du temps, on voit beaucoup de dhikr qui sont considérés impairs. Ala kulli hal. Donc, après, il dit, trois fois tu prends l'eau dans la main, c'est suffisant. Trois fois. Une fois pour le visage, une fois pour la main droite, et une fois pour le bras droit et bras gauche. Et c'est suffisant. Wa tamsah, l'imam, encore, il insiste, comme si. Il y a des gens qui ne comprennent pas les choses de cette façon. Il y a des gens qui lavent les pieds. Il y a des gens qui reprennent l'eau. Il y a des gens qui retouchent l'eau. Même peut-être parmi les partisans de Ahlul Bayt, ils ne savaient pas peut-être. Ala kulli hal, l'imam insiste. Wa tamsah bi billati yumnak nasiyatak wa ma baqiya min billati yaminak dhahra qadamik al-yumna. Il re-explique. Il dit nasiya, c'est-à-dire la haut de la tête. Et puis. Pied droite et pied gauche. Qala Zurara, il rajoute, il dit, Qala Abu Ja'far. L'imam Abu Ja'far alayhi salam, l'imam Baqir alayhi salam, il dit, Sa'ala rajulan Amir al-Mu'minin. Quelqu'un avait posé cette question à Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, l'imam Ali alayhi salam, en lui disant, Ya Ali, comment il faisait l'ablution le prophète? Donc cette question, c'était vraiment une question de divergence. Maintenant, peut-être quelqu'un va me dire, mais ce n'est pas aussi important, pourquoi cette question on traite, etc. Il y a d'autres questions plus importantes. Je vous dis, c'est très sensible parce que c'est l'adoration. L'ablution, ce n'est pas lavage pour se nettoyer. L'ablution, la personne qui est en train d'effectuer l'ablution, il doit avoir l'intention de l'adoration, de s'approcher d'Allah. Ce n'est pas lavage-nettoyage. Même si tu te laves 5 fois sous la douche, tu ne peux pas dire j'ai pas besoin de faire l'ablution. Même le grand ablution, c'est exactement de la même façon. Il faut avoir la niya, l'intention. Si tu te laves, tu dis ça y est, je me suis lavé, donc c'est encore plus fort que le ghusl ou le wudu. Non, c'est pas bon. Parce que le wudu, ce n'est pas pour se nettoyer. Oui, la personne va se nettoyer forcément quand il lave les mains et le visage et les bras, etc. Oui, mais ce n'est pas pour le nettoyage, c'est une adoration, donc il doit être effectué comme le prophète a dit.
سأل رجل أمير المؤمنين عن وضوء النبي فحكى له مثل ذلك. إمام الباقر يدي أمير المؤمنين avait expliqué l'ablution de notre noble prophète exactement de la même façon. Inch'Allah, la prochaine fois, on prend la question de مسح الرجلين أو الرأس. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.